Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo après trois heures de live. Et un détour à la poste qui m'a pris une heure, un truc de ouf. Je vous fais une troisième vidéo. Je devais vous faire l'analyse des Saibaman. Normalement, j'avais prévu ça en troisième vidéo pour aujourd'hui, les gars. Mais je vous mens pas, je suis beaucoup trop claqué pour faire cette vidéo. J'ai vraiment pas la tête à me concentrer sur les kits des persos. Et je sais que je vais faire de la merde. Donc, je préfère faire une vidéo plus courte, plus simple, et qui est aussi importante mine de rien. On va faire le récap des news de la semaine avec cette excellente mise à jour. Encore une fois, parce que oui, j'ai pas peur de le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont souligner le négatif que le positif dans des Legends, mais en ce moment des Legends en termes de mise à jour depuis la 3.6 de semaine en semaine au niveau du PVE c'est ultra de chez ultra bien, ultra de chez ultra carré alors peut-être que certains vont tomber sur cette vidéo et se dire est-ce que tu conseillerais de commencer DB Legends honnêtement les gars, depuis la 3.6 chaque semaine que vous loupez vous met grandement en retard pour la fin d'année sur des Legends, donc foncez n'hésitez pas, commencez le jeu, reprenez le jeu c'est vraiment un bon moment, ne vous prenez pas la tête avec le PVP si vous n'êtes pas spécialement en énorme joueur PvP, il y a beaucoup beaucoup de cristaux à farmer uniquement avec le PvE, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors en parlant du PvE, justement, on va aller faire le tour des annonces puisque la plupart des annonces du jour vont concerner le PvE. Donc bien sûr, on a le Zenkai de Goku Kaoken. Alors le Zenkai de Goku Kaoken, j'ai déjà fait la vidéo analyse, j'ai déjà fait le showcase et je viens de le jouer un peu plus d'une heure en PvP en live cet après-midi. Honnêtement, le personnage il est vraiment super fort, il est super intéressant, il change des autres bleus Zenkai Saiyan au niveau des mécaniques parce que lui il va se Jouer un peu plus tanky que les autres sur les esquives également et euh, sur sa mécanique de spécial, donc c'est quand même assez intéressant. De le Zenkai, vous avez dans tous les cas 2000 PZ Zenkai offerts dans l'émission. Je vais aller vous montrer ça. Vous avez 2000 PZ Zenkai offerts dans l'émission. Vous avez le personnage qui est offert dans son event si vous l'avez toujours pas farmé, enfin dans l'event de Vegeta. 2000 PZ Zenkai à récupérer et le portail des singles à 20 est également disponible sur le Zenkai. Du coup, moi je conseille absolument. Tout le monde, et j'insiste, de mettre. Alors, il y a les singles à hein, c'est ce que j'ai déjà fait. De mettre, enfin, de, de faire l'event euh, pour avoir le Zenkai 2 et de mettre absolument toutes les singles à 20 que vous pouvez sur le portail. Il reste jusqu'au 9 octobre. On n'est même pas. en y jusqu'au 9 novembre, pardon, et on n'est même pas en octobre. Donc, le portail, là, il est là pour 40 jours. Donc euh, comptez si vous euh, voulez à, vraiment en étant large, vous l'avez Zenkai 5 avec des singles avant. Zenkai 5 avec des singles avant. Si vous avez de la chance sur une des 40 et quelques singles, vous pouvez même l'avoir Zenkai 6. Et donc complètement jouer le perso euh, comme vous l'avez vu dans le showcase aujourd'hui. Faites-le. Faites le les gars, c'est vraiment important. Les ils sont devenus ultra accessibles. Ne passez pas à côté, ça vaut vraiment le coup pour les singles à 20. Je vous conseille sincèrement de le faire. Alors chose à noter, on a également une nouvelle campagne des réseaux sociaux qui est en cours. En fait, la campagne, c'est tout simplement une campagne qui, si pendant l'event des Cybermen, on lance 5 millions d'aventures à tous les membres de DB Legends, on va, enfin... Tous cumulés, hein. je parle bien sûr pas chacun. On va recevoir dans notre boîte cadeau 200 cristaux, 100 d'énergie, 100 tickets passe. Ils l'ont déjà fait ça il y a pas longtemps. Ils le refont déjà aussi vite. C'est vraiment super bien. Je suis super content que, euh, que ces petits events y soient là de temps en temps. Parce que mine de rien, bah, 200 cristaux en plus, ça fait toujours plaisir. Franchement, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, on prend avec grand plaisir ce petit event. L'event des Cybermen est présent, bien entendu. Alors, euh, je suis, bon, j'ai mon nouveau téléphone et mon nouveau téléphone est en mode sombre, les gars. C'est pour ça que vous voyez l'affichage comme ça. Donc, l'event des Cybermen, excellent event. Event des Cybermen qui permet de récupérer 6 personnages free to play. Les 6 Saibaman vont pouvoir être intéressants. Je les ai croisés moi en PVP et j'ai failli perdre la gain pour vous donner ordre d'idée, Donc les 6 vont pouvoir être intéressants. Le vert va être ultra intéressant en tant que personnage vert titulaire de la sagazette Saiyan. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Et ils sont euh, super simples à farmer. Alors je vais aller vous montrer l'événement, Mais en gros ils sont super simples à farmer. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir un événement dans lequel vous allez faire un niveau. Euh, enfin, trois niveaux pour chaque Saibaman. A partir de là, vous allez avoir chaque Cyberman 7 étoiles. Vous allez en plus obtenir des cristaux, etc. Des médailles rares. Et vous allez également récupérer des aventures. Vous allez avoir différents types d'aventures. Vous allez avoir les aventures euh, légendaires 23 heures les aventures légendaires 7 heures. Donc, ces aventures-là, c'est des aventures qui vont vous dropper des pouvoirs Z au hasard. Pas d'un Cyberman spécifique. Et après, vous avez les aventures 7 heures de chaque Cyberman sur lesquels vous pouvez récupérer, bien entendu, des pouvoirs Z du Cyberman spécifique que vous le souhaitez. Si vous avez une SimSaga Z Saiyan et que vous voulez optimiser votre team, je vous conseille vraiment de vous focus sur le Cyberman vert dans un premier temps. Et après, vous ferez le reste, bien entendu. Donc, c'est plutôt cool là-dessus, bien entendu. Hein. Vous avez des personnages boostés pour les aventures. Il y a également euh, des missions d'aventure, comme vous pouvez le voir ici. On va aller les voir après. Mais dans les missions d'aventure, on a un ticket Sparking Guarantee pour le Step-Up de Vegeta LF, on a deux nouveaux titres, Sabai Master, expert de la moisson, et on a trois nouveaux messages PVP. Il nous reste bien six graines. Dans ce bol, ils nous pousseront euh, facilement. Dans ce sol, ils pousseront facilement nos petits Cybermen. Vous voyez pourquoi je n'ai pas fait la vidéo-analyse euh, ce soir, les gars, ou pas Et yeah <laughs> Tout simplement, ok. Il y a même encore un titre après à récupérer dans les récompenses euh, de bonus de connexion tout simplement. Donc plutôt plutôt archi cool cet event. Je vais aller vous le montrer rapidement comment ça se passe. Hein. Je ne l'ai même pas terminé moi au moment où je vous parle je crois. Euh, si, je l'ai peut-être fini en live tout à l'heure, je sais plus. Donc il est ici l'event. Et en gros bah voilà, vous faites trois fois chaque level. Vous avez un level à faire tous les jours ici. Et si vous voulez farmer des Avengers bah, bah, du vert, vous faites le vert, etc. etc. Vous avez capté, euh, ça marche comme ça. Pour tous les saibaman on ira voir l'émission un petit peu euh, plus tard. Euh, retour du côté des annonces. Donc l'event des Saiyaman n'a hein, passé pas à côté. Encore une fois, c'est des personnages free to play pour la collection. Ils sont très simples à farmer. Ils consomment pas d'énergie vu qu'ils se farment à travers les aventures. Et qu'en plus de ça, en farmant les aventures, vous allez obtenir diverses récompenses grâce aux récompenses aventure. Donc euh, là, c'est pareil, les il faut les faire, les gars. L'event, il est ultra carré. Retour des pièces. Hop hop. Alors. Retour des pièces hop hop, mais comme vous pouvez le constater ici, ce sont les hop hop décontractés. Donc en fait, il va y avoir deux euh, formules de hop hop différentes les hop hop euh, classiques, je pense, en step up, et les hop hop avec l'ancien format, comme vous pouvez voir ici, hop hop décontracté. Un court événement hop déco, déco, hop, hop décontracté, euh, super fun arrive. Terminer l'émission pour obtenir des pièces, utiliser beaucoup de pièces pour, obtenir, pour compléter l'émission et obtenir jusqu'à 1000 CC. Donc 1000 cristaux à récupérer avec cet event, bon, easy peasy. Hein. Easy peasy honnêtement les gars de récupérer les 1000 cristaux avec les pièces. Bien entendu en plus des 1000 cristaux en dépensant des pièces hop hop vous allez pouvoir récupérer des médailles d'âme, des médailles rares, des pièces de platine, des gommes, de, de l'énergie, des tickets pass, des clochettes argentées et toute une ribambelle de pouvoir z bien entendu. Utilisez beaucoup de pièces hop hop pour compléter les missions et avoir bien entendu encore une fois les cristaux. Et euh, vous pouvez récupérer également les pièces hop hop dans des missions. Je vais aller vous montrer ça directement. Dans l'émission, d'ailleurs, on va regarder l'émission également de euh, des aventures en même temps. Donc, les pièces, elles sont ici. Il y en a 580 à récupérer. Et euh, il, faut, alors, il faut collecter combien d'objets Tiens. Obtenez 500 fois des objets en utilisant des pièces hop-hop. Donc, ça veut dire que tu peux même avoir du rab un petit peu. Donc, il y a plein de choses à faire, hein, les gars. J'en ai récupéré déjà pas mal. Moi, j'imagine qu'il y a beaucoup dépensé d'énergie. Faire des combats en ligne, lancer des aventures, faire des combats de front multivers. Le tournoi du pouvoir, bref, il y a pas mal de choses différentes à faire. Mais en gros, c'est archi easy peasy. Juste pour le fun, on va laisser en lancer quelques-unes. En plus, je rappelle, ils ont mis un menu dans, justement, rapide ici. Donc, ça, c'est plutôt cool. J'en ai déjà 320. On est, on, est, on est day one, les gars. J'en ai déjà 320, il en faut 500. Donc, autant vous dire que ça va être, ça va être très rapide. Et les pièces, hop, hop, c'est trop stylé. Mais je l'ai dit ce matin, puis je dis il pleut des PZ, mais sur le jeu c'est un truc de ouf comment il pleut des PZ ces derniers temps. Alors, à travers les pièces hop-hop, les events, les raids, la coop, etc. Mais c'est les... un truc de dingue le PVP aussi hein, qui en donne. Donc, comme vous pouvez voir ici, les récompenses à sont archi craquées. Hein. Là, j'ai obtenu 15 6k pass, euh, un multi PZ, des âmes, des, euh, des ressources d'éveil pour, euh, pour les différences. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas les utiliser par 100. Vous voyez, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas les utiliser par 100. Ce qui nous permettrait de gagner énormément de temps. Mais comme vous pouvez le voir ici, voilà une pièce de platine, ça équivaut à trois gommes. Hein, je rappelle une pièce de platine, trois gommes justement. Ça, ça fait plaisir, surtout que pour ceux qui étaient là sur le live aujourd'hui, on a passé 120 gommes, les gars, sur des items. 120 gommes, encore un multi PZ, 120 gommes pour essayer d'avoir des euh, des items Z. J'ai pas eu un seul Z en 120 gommes. Donc heureusement qu'on récupère des nouvelles gommes ici. Ça fait plaisir, ça compense. Mais comme vous voyez au niveau des récompenses, ça carry à mort hein, l'énergie d'ailleurs aussi. Il y a une grosse différence avec l'énergie générée à la fin. Là, j'ai déjà gagné plus de 60 d'énergie avec les pièces. Donc, ça, ça fait grave plaisir. Un peu moins bien celui-ci, mais bon, on a quand même une médaille euh, d'âme. Donc, les médailles d'âme, hein, pas négligé aussi, parce que c'est super important pour les zenkai. Et pour, euh, bah pour les zenkai surtout, en fait. Hein, pour les âmes du maire classique, mais pour les zenkai du coup. Donc, vous avez vu mon tuto sur les zenkai, n'oubliez pas. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Mais voilà, Comme vous voyez au niveau des récompenses, c'est plutôt pas mal. Des tickets pass, de l'énergie, des, des zenis. De tout quoi, finalement. Et euh, bien, bien entendu, ça permet quand même de récupérer quelques multi-PZ. Pour l'instant, j'en suis à 60. Voilà, 90. 90 multi-PZ récupérés. Donc, euh, sachant qu'il y a 3 fois ça à récupérer en tout. 120. Encore une pièce de platine. Famille de Goku, c'est carré de ouf. Vous voyez, c'est vraiment bien. Hein c'est vraiment, vraiment ultra bien. Sans déconner, ce, ce système de pièces hop pop. Donc, moi, je kiffe de l'énergie à gogo. Donc ouais ça c'est vraiment vraiment super lourd Surtout quand ça te permet d'obtenir 1000 cristaux à côté en fait C'est ça qui est carré C'est que ça, ça te permet d'obtenir 1000 cristaux à côté les gars Donc bien entendu vous avez 1000 cristaux à travers cet event L'event de Saibaman avec les premières réalisations Vous permet de grappiller quelques cristaux par-ci par-là aussi Vous avez les missions PVP Puisqu'il y a eu le reset PVP Donc juste avec les missions vous avez 250 cristaux Nice, des gommes aussi Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire en termes de cristaux euh, Ça c'est plutôt cool Alors je vais aller vous montrer hein, ça aussi C'est quand même assez important de vous montrer ça, bien entendu. Donc, vous avez les 1000 cristaux ici. Euh, à travers les récompenses d'aventure, encore une fois, vous avez le fameux ticket Sparking Garantie. Des messages de l'énergie, ticket passe comme d'habitude. Tu connais à force, je pense. Donc, les missions Et il y a un nouveau euh, super série de combat. Battle Gauntlet de Goku cette fois-ci. Donc, encore une fois, 700 cristaux à récupérer avec ce Battle Co de Gauntlet. Donc, ça, ça fait extrêmement plaisir aussi. 300 CC à récupérer ici. Voilà, hein, c'est. La mise à jour, c'est plus de 2000 CC, ça doit être 2300 environ, je pense. Avec les trucs de première réussite à gauche à droite. Ça doit être 2300 CC, les gars, à récupérer. Euh, Peut-être un peu plus, même avec les 200 CC qui vont être offerts avec la, la campagne mais c'est vraiment ultra carré, donc le super série combat de Goku, hein, vous connaissez, je vais vous montrer rapidement, mais voilà, le niveau à tour de Goku, les personnages boostés, Vegeta, LF, Ozaru, Goku, Kakarot free to play, Goku free to play, Nappa free to play, enfin voilà, c'est quand, quand même ultra carré au niveau des persos boostés, on peut se faire une team de 3 entièrement boosté avec des persos free to play, vous avez également le reset de la saison PVP avec un tout nouveau item, bon je suis désolé avec le, monde, le mode sombre, je trouve qu'on va pas très bien, L'item, euh, il est pas mal l'item en réalité. Hein. Vous avez blessé mon amour propre, c'est pour les Saga Z Saiyan. Défense physique de base jusqu'à 13%, dommage des techniques spéciales jusqu'à 12%, et force de base jusqu'à 10%. Personnellement, je le trouve pas mal cet item. Pourquoi Parce qu'il a deux lignes super fortes en fait. La ligne des techniques SP et la ligne de la force, c'est deux lignes qui sont super fortes. Alors après, la première ligne elle est un peu légère, 13% seulement. Néanmoins, si vous avez un perso Saga Z Saiyan, qui n'a pas. Full item Z ou full item opti, et que vous arrivez dans votre session PVP, dans votre saison PVP, à topper un item Z de celui-ci, ça peut être intéressant de le mettre sur votre personnage, parce qu'en Z, celui-ci sera mieux que beaucoup d'items honnêtement, donc ça peut être cool. À faire également, nouveau euh, nouvelle édition du time rush, donc avec les PZ élèves de Freezer Zenkai qui ont été rajoutés, et surtout un nouveau item éveillé que vous devez absolument farmer si vous voulez jouer Goku Kaioken Zenkai. Il vous faut cet item. Je l'ai farmé en live personnellement. J'en ai un qui va finir par passer en Z tôt ou tard, donc c'est une très bonne nouvelle. Défense d'énergie de base jusqu'à 20%, attaque physique de base et dégâts des techniques spéciales de base, enfin dégâts des techniques spéciales. Plus 12,50% pour les deux. Donc sur la même ligne, c'est extrêmement fort. Et l'emplacement numéro 3, attaque physique de base jusqu'à 25%. Donc l'item, il donne jusqu'à 37,5% d'attaque strike. C'est énorme. 12,50 de dégâts de spé. Et 20 de défense d'énergie. Il est ultra fort. C'est pour les familles de Goku bleu. Donc, pour le Goku kaioken, notamment. Mais aussi, pourquoi pas, pour... Euh, en vrai, ça pourrait marcher pour le Goku Namek Zenkai. Hein, même si le Goku Namek Zenkai, il est plutôt Blast. Ça pourrait marcher pour lui aussi. Ça peut être un bon item pour lui, honnêtement. Et ça peut aussi marcher sur le Gohan bleu Zenkai, par exemple. Sur le kit Goku CG3 GT. Euh, voilà, ça peut marcher sur pas mal de persos. Et c'est un très bon item, honnêtement. Donc, je vous invite sincèrement à le farmer. Donc, une très bonne mise à jour... Euh, encore une fois, sur des légendes cette semaine. Le PvE est à l'honneur. Tout se passe bien de ce côté-là. J'espère que le PvP finira par être aussi qualitatif que ce PvE. Parce que là, on mange vraiment Gucci niveau PVE sur des belles ces derniers temps. Donc voici pour cette vidéo news de la semaine, les gars. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère que comme d'hab ce format vous plaît pour ne rien louper et avoir mon avis sur les différents events. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Portez bien les tout le monde. Ciao, ciao.